Bonjour à tous, vidéo des lundis comme chaque semaine. Pensez toujours à vous abonner, à liker et à partager. Alors aujourd'hui on est avec... Salut Benjamin, comment vas-tu? Ça va, avec toi? Bah écoute, on vient de se faire 70 km ce matin. C'était bien. Ouais, c'était plutôt sympa, sorti du confinement. Donc que vas-tu nous présenter? MBK51. Donc, club. MBK51 club. Un modèle classique mais classique, qui fonctionne toujours. Ouais, c'est ça. C'est une petite mobilette que j'ai faite pour prêter aux copains, tout ça, pour découvrir la mob. Ouais, donc tous des copains qui puissent venir chez toi. Voilà, ceux qui veulent découvrir un peu la mob, ça fait une petite machine, pas trop de crainte. Voilà, ou toi tu t'en fous un petit peu et c'est sécurisant. Alors, cette machine-là, d'où vient-elle? Moi je l'ai sauvée de la ferraille, je l'ai récupérée à des ferrailleurs. Tu l'as récupérée, d'accord, avec des ferrailleurs? Le réservoir était totalement pourri, le moteur, tout ça, tout était serré. Ouais. Tout ce qui était carburation, c'était plein de rouille, tout était mort, donc le réservoir il a été traité, ouais. Le moteur il était ouvert par... c'est Mathias qui m'a refait ça. Ouais, donc on va parler de la partie cycle, on va parler du moteur. Ouais. Donc partie cycle, elle est arrivée dans un camion ben de plein de ferraille, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc imaginez, vous connaissez tous un peu le système, il n'y a pas de... Donc après, j'ai bien nettoyé le réservoir, tout ça, je vais faire quitte... Qui te reste Restom, c'est l'autre, celui qui décape. Les vaporus. Donc bien nettoyé au Karcher, les vaporus, bien décapé et tout. Ouais. Les pneus sont neufs, une chambre à air, partie cycle, après il n'y avait rien d'autre de spécial. Elle était plutôt en bon état, hein. Tout ce qui était chrome, tout le reste. C'est principalement un gros nettoyage que tu as fait. Tout, ouais, une paire de pneus, on vérifie les freins, ça, et puis c'est voilà. C'est surtout au niveau partie, ouais, moteur. Moteur où tu as eu du travail. Du travail un peu. Parce que le moteur, quand tu l'as eu, t'es serré. Le moteur était serré. Tu penses mais serré du temps d'attente ou vraiment il avait serré? Il était bloqué et puis ouais, ici il était serré, ouais. Le piston, tout ça, tout était mort. Ouais. D'accord, ok. Donc c'est Mathias qui m'a refait ça. Ouais, donc Mathias du groupe qui t'a refait un il moteur. Il m'a remis roulement de vélo. Ouais, donc vélo, il a complètement ouvert. Le signal a été réalisé, tout ça. Ouais. Donc puis j'ai remonté ça avec un peu nettoyé les trations et puis remonté tout ça, courroie neuve. Après rien d'autre de spécial là-dessus, hein, le petit pot décapé et puis c'est reparti quoi. Ouais. Et tu l'as laissé full stock, t'as même pas changé le carbu? Le carbu était déjà changé, c'était un... C'est déjà un 15, 15,5 et Sacha? Ouais, Sacha. D'accord, et puis pipé clapet je suppose. C'est ça. Voilà, histoire que ça tourne bien et que ça... Si j'étais emmerdé dessus un petit peu, là, j'ai cherché là et j'avais un problème au niveau de la... J'avais des arcs d'essentiel qui se faisaient au niveau de la culasse. Ouais. Et en fin de compte, c'était mon allumage, c'est l'allumage électronique. Le Moriyama. Le Moriyama, là. Et du coup, j'avais au niveau du faisceau, à l'intérieur du câblage, j'avais un faux contact, quoi. Enfin, ouais. J'avais une masse une qui prise faisait, de masse, ouais. Et du coup, ça me faisait des étincelles au niveau de la culasse, quoi. D'accord, ok. Donc, j'ai changé l'allumage, il faut que je refasse le câblage. Ça va être reparti comme en 40. Elle tourne plutôt pas mal. Tu disais par contre que tu as des petits ratés des fois, c'est ça? Eh ben ouais, du coup, c'est une machine. Ouais, quand tu arrives à 50, elle bride. Ouais. Donc ça sera peut-être l'évolution à voir dessus, changer le sévil. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure à table ensemble. Éventuellement pour gagner un petit peu, quoi, histoire d'avoir une machine qui a. Mais sinon, pour quelqu'un qui découvre la mob, elle a un peu de reprise, tout ça, ça marche. Bah, c'est vrai que c'est parfait. C'est vrai que c'est parfait. Et puis c'est fiable ou... C'est fiable, c'est... Ou là, comme aujourd'hui, on l'a emmené en mobilette de secours. C'est vrai que tu la prends, tu démarres et tu roules et puis on en a pas plus. C'est l'avantage. En plus, bon, on voit que c'est une vraie mayonnaise parce que c'était établissement Le Moine à Laval. Donc, pour certains de notre groupe, je pense que vous avez bien connu Le Moine à Laval, qui était un gros fournisseur de pièces et de mobilettes. As-tu éventuellement des projets d'évolution ou non? Enfin, je te dis, à part le CDI, c'est... Mais non, c'est une mobilette, ça va rester tel quel. Ouais. C'est juste histoire de dépanner, quoi. Ouais, c'est ça, tu as bien raison. Bon, je vais vous faire un petit tour et puis Benjamin va nous la démarrer. Du grand classique, mais de la fiabilité. Ah, le cache allumage. Bon, ça va pas être compliqué. Ça va pas être compliqué. Puis ils en font 9 à pas cher. Et là, 20 000 km. Et un beau petit compteur Transval. Tu nous la démarres?
Ça démarre au quart. L'avantage de l'origine. On va vous laisser là-dessus. Salut Benjamin. Salut Mathieu. Salut.